Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie, Virgie Monica sur Instagram et sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vient faire suite à ma dernière que j'ai postée, qui était mon bilan tricot 2023 et donc on reprend évidemment la suite avec les objectifs 2024. Voilà. Écoutez, bienvenue sur ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle hors-série, je ne sais pas trop. En tout cas, bienvenue. Si vous débarquez ici, moi je m'appelle Virginie, je tricote depuis de nombreuses années, j'ai 43 ans et 2 enfants. Donc j'ai bien envie, je repars sur une bonne dynamique de tricot, là, après un passage à vide en 2023. Donc j'ai vraiment envie de retrouver ma dynamique et mon rythme de tricot. Donc c'est parti, voilà. Alors... moi j'aime bien me fixer des objectifs, alors je sais, loisirs, tout ça, faut pas se mettre de pression et tout, mais moi j'aime bien quand même avoir des objectifs parce que ça m'aide à avancer. Cette année j'ai plusieurs types d'objectifs, on va dire. J'ai des objectifs utiles, des objectifs qui vont être nécessaires, entre guillemets, même s'il n'y a jamais de vraie nécessité, mais disons que quitte à tricoter, ça serait cool que je tricote un peu plus utile et moins égoïste. Et il va y avoir des petits défis que j'ai eu envie de me lancer pour un peu de fun, vous voyez, dans tout ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les objectifs utiles pour cette année 2024. En fait, donc je tricote moi déjà depuis longtemps, et là j'ai fait un gros tri dans ma garde-robe pour enlever en fait tout ce que j'avais tricoté. Déjà tout ce que je ne mettais plus, ça c'est comme chaque année, c'est normal, je fais régulièrement le tri dans mon dressing. Mais en fait, par rapport aux choses que j'ai tricotées, j'avais envie de quand même de virer, parce que j'avais gardé des choses que je m'étais dit, ah, c'est toi qui les as fait, t'as passé plusieurs heures à les tricoter et tout ça. Sauf que du coup, je me disais, tu les mets pas quoi au final. Donc bon, j'en avais donné, etc. Alors pourquoi je ne les mettais pas? Parce que soit la laine me gratte, soit la coupe me va pas, soit... Bon, bref. Donc maintenant, je tricote beaucoup plus de choses que je porte. C'est vrai que c'est un peu le bilan que j'ai fait par rapport à 2023, c'est que j'ai peu moins tricoté, pas peu tricoté quand même, on peut pas dire ça, mais j'ai moins tricoté. Et par contre, tout ce que j'ai tricoté, je l'aime, je le porte, ça va avec ma garde-robe, etc. Et donc, c'est vraiment l'idée de rester dans cet objectif-là, c'est d'avoir des projets que je serais contente d'avoir sur le long terme, en fait. Donc, dans cette optique-là, le premier objectif va être de me tricoter un pull noir. Voilà. Alors, le pull noir... Est-ce qu'on en parle? Voilà, en tant que tricoteur, tricoteuse, je pense que vous me comprenez. Tricoter du noir, c'est chiant. Il faut quand même dire ce qui est, on n'y voit rien, c'est monotone, etc. Mais, bon, ça va rester quand même quelque chose qu'on va beaucoup porter. Par exemple, ici, moi j'ai mon pull Love Note que j'ai tricoté en 2022, fin 2022. D'ailleurs, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est vous dire. Mon passage à vide de 2023, mais du coup c'est un pull que je porte beaucoup et il est violet très foncé. Alors là c'est peut-être avec la couleur, vous voyez pas très bien, mais il est violet très foncé. Et j'ai une première version du Love Note que j'avais tricoté en un mélange de gris anthracite et noir pour faire un effet chiné entre le mohair et la figurine. Et je l'adore parce que la couleur elle est vraiment passe-partout, ça passe avec toute ma garde-robe, sauf que le gros problème que j'ai, c'est qu'il est très cropped parce que j'avais passé de laine, mon erreur. Voilà, il a des manches. Bref, mais je le porte quand même, mais parce que la couleur, en fait, il est chaud et la couleur. Donc, j'ai bien envie de m'en refaire un. Ce sera pas un Love Note, je pense plutôt partir sur un 13KO, quelque chose dans le genre, mais noir. Mélange fingering et mohair et noir. Bon. Ça, c'est un objectif, ça va être un peu chiant, mais il faudrait que je le fasse quand même. Mais avant de faire ça, j'ai quand même un autre objectif, et pas des moindres. Tricoter un pull pour chéri. Ça fait un moment qu'il me demande un pull, donc du coup, là, on est tombé d'accord, parce que moi, mon seul veto, c'était pas de fingering. Voilà, moi, je lui ai dit, je te tricote un pull, mais pas en fingering, parce que double XL, voilà.
Donc on est tombé d'accord sur la laine Ulysse, qui me paraît être une laine pas mal en termes d'épaisseur, en termes de qualité. Le fait qu'elle soit chaude, parce que c'est quand même un peu le cahier des charges, hein, l'idée c'est d'avoir un peu le chaud. Et plutôt gris, très certainement gris clair. Ou gris anthracite, il faut que je vois. Soit c'est le coloris, c'est fusain, et l'autre je crois, je sais plus l'autre ce que c'est. Je crois que c'est pas pois, non? Je sais plus. Bon bref, donc il faut que je vois avec lui la couleur qu'il veut et que je commande la laine, mais surtout qu'on choisisse un modèle. Alors j'étais tombée sur un modèle qui me plaisait pas mal, mais c'était le modèle Single Malt de Maxime Cyr. Problème c'est que l'échantillon n'est pas bon, c'est dans Worsted, je crois. Donc c'était plutôt en Gilliatt, mais il veut pas en Gilliatt ou en Gilliatt, je sais pas. Il veut pas d'un pull trop épais. En fait, la Ulysse, ça lui plaisait bien pour ça. C'était ni trop épais, ni trop fin, en fait. Donc, bon, bref, voilà. Tricoter un pull pour chérie, me tricoter un pull noir et tricoter un pull pour ma fille. Parce que ma fille, bon, elle grandit, c'est une ado. Jeune ado, mais une ado quand même. Donc, son idée, c'est d'avoir elle aime bien maintenant s'habiller, etc. Et donc, bon, quand je vois les pulls qu'on achète, le prix qu'on y met, alors c'est pas, justement, pas très très cher, mais quand même, il faut quand même payer, et la qualité que c'est. Notamment, la dernièrement, elle s'est acheté un pull cropped, justement, en jacquard, avec un très beau motif de jacquard. Mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'en fait, le truc, il part à volo, alors que ça fait un mois qu'elle l'a même pas. Donc bon, je me dis quand même, on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc du coup, j'aimerais bien lui faire un pull pour sa rentrée prochaine. Ça serait sympa qu'elle ait un petit pull pour sa rentrée prochaine. Et comme ça, si ça lui plaît et tout, peut-être je pourrais en faire d'autres. En plus, bon, elle grandit, mais ça sera toujours moins long qu'un pull pour chérie, par exemple. Au hasard, voilà, par exemple. Donc ça serait vraiment trois grands objectifs. Et attendez, je prends mes petites notes parce que j'avais pris les notes. Donc un pull pour mon chéri, un pull noir, un pull pour ma fille. Et il faut que je fasse un cadeau de naissance. Ça va être impératif pour le mois de juin. Donc j'aimerais même faire une couverture. Donc ça serait bien quand même que j'arrive à m'organiser pour que tout ça puisse, vous voyez, s'intercaler suffisamment bien et tout ça. Donc ça, et après, si j'ai d'autres projets à faire. Évidemment, j'aimerais faire d'autres projets que ces trois-là, hein, on est d'accord. L'année dernière, j'en ai fait que trois gros projets, mais je me dis cette année, j'ai peut-être arrivé. Là, j'ai un pull pour moi en ce moment sur mes aiguilles. On est loin du noir puisqu'on va être sur le rose pâle et blanc. Voilà, mais j'aimerais bien faire d'autres choses, mais en utilisant mon stage du coup. Donc, mon stage et ma patron tech, comme ça qu'on dit, tous les patrons que j'ai. À portée de main sans en repayer un autre. En fait, j'aimerais bien faire ça et utiliser mon stage et mes restes. Notamment, j'ai quelques petites idées, mais on viendra peut-être au fur et à mesure. Je ne me suis pas fixée de modèles précis, de choses comme ça. Ça fait un moment que j'ai le Midas de Folie Ordinaire en tête. Donc là, je pense que celui-là, il devrait normalement être castonné dans l'année. Je vais essayer. J'aime beaucoup l'idée de ce pull. Bon, déjà la forme, et puis après, voilà, j'ai aussi envie d'un autre gilet. Mais bon, idéalement, dans ma garde-robe, il me faudrait un pull type tresse carreau ou le Midas est pas mal aussi parce qu'il est un peu boxy et court. Bleu, alors pas bleu pétard, mais bleu marine ou bleu jean un peu. Donc, j'ai de la laine là pour le faire, donc c'est parfait. Il me faudrait donc un pull noir, un gilet noir, un top noir. Voilà. Mais je n'ai pas de laine noire hein, en stock. Personne n'a de la laine noire en stock, rassurez-moi. C'est le truc qu'on n'achète pas, quoi. Quand on voit un écheveau, on n'achète pas noir. Donc après, j'ai d'autres écheveaux là. Oh, on les voit notamment tout là, là. Et je pense que je vais aussi en utiliser peut-être pour me faire un autre. J'ai en tête un modèle, mais je reviendrai après dessus. Bref. Donc voilà. Bon, ça, c'est mes petits objectifs utiles, cadeau de naissance. Donc, trois pulls. Un pour chérie, un pour moi, un pour ma fille. Un cadeau de naissance, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse impérativement cette année, on va dire. Faudrait que j'aille vers ça, quoi, disons. À moins que je fasse une pierre deux coups et que je fasse le Midas en noir, vous voyez. On serait pas mal. Ça peut être pas mal, parce que vu la coupe, ça peut être pas mal. Bon, bref, je m'évade.
Ce n'est pas le cas. Mais après, ça serait utiliser mon stage, évidemment, si je dois faire d'autres projets par rapport à ça, parce que, bien évidemment, je n'ai pas de laine noire en stock, je n'ai pas la laine pour chérie en stock, et pour ma fille, je ne sais pas ce qu'elle choisira comme couleur. Si je l'ai en stock, tant mieux, mais si je ne l'ai pas, voilà. Donc, bon, il faudrait quand même tricoter le stage, quoi, ça serait bien. Et ensuite, au cours de cette année, j'ai eu envie de me lancer deux défis pour être un peu plus dans le côté fun. Donc, le premier défi, alors, en fait, c'est la transition, parce que j'ai les projets utiles, le défi fun, et au milieu, il y a un défi mi-utile, mi-fun. Vous suivez jusque-là, il n'y a pas de souci. Je pars dans des trucs, mais des fois, je me fatigue moi-même. Bref. Donc, l'idée, je vous en ai déjà parlé de toute façon, c'est en fait de faire des cadeaux faits main, c'est-à-dire de tricoter tout au long de l'année pour pouvoir proposer des cadeaux faits main à Noël. Voilà. Donc, il y a 5 personnes à qui je peux offrir, enfin, à qui j'aimerais offrir des cadeaux faits main. Donc, mon frère et ma belle-sœur, mes parents et belle-maman. Ça fait 5 personnes. Si je peux inclure chérie dans le lot, ça serait bien, mais. Il aura déjà un pull dans l'année, bon, moi, ça va pousser, on va voir. Donc, l'idée, ça serait quand même 5 cadeaux. 5 cadeaux, ça me paraît faisable quand même dans l'année, sachant qu'on ne va pas partir sur des pulls. Donc, chaussettes, mitaines ou col, c'est vraiment, vraiment, j'ai un modèle en tête, la laine, etc. Et donc, pour ça, par contre, ça serait bien d'utiliser le stash. On est d'accord. Donc j'ai pas mal de laine à chaussettes en stock. J'ai pas mal d'idées parce que bon, je pense pas partir sur des modèles très compliqués de choses à leur tricoter. Donc je vais voir. Sauf peut-être que pour ma maman et pour ma belle-maman, je pourrais faire des chaussettes d'Eka ou des chaussettes avec du mohair parce que je pense qu'elles apprécieraient l'hiver d'avoir un projet entre quelque chose d'un peu plus épais. Ma maman peut, je vais déjà offrir des chaussettes, donc ça permettrait de changer un peu. Bon voilà, l'idée, ça serait d'intercaler tout au long de l'année des cadeaux faits main. Donc principalement des chaussettes. Alors pour ça, donc utiliser de la laine en stock, ça serait bien, si je peux. Utiliser des patrons que j'ai en stock, ça serait bien. Et aussi. Comment dirais-je? Il me faut pour ça par contre que je fasse un petit investissement qui va être une règle à chaussettes. Parce que tricoter des chaussettes quand on n'a pas les pieds des gens, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a quand même un certain degré d'élasticité hein, sur les chaussettes. Mais... Donc, je pense que je vais demander à chacun leur mesure de 1 cm de pied. Mais quand même avoir une règle à chaussettes pour pouvoir bien mesurer, bien faire et tout, ça serait quand même cool. Donc peut-être que quand je vais commander de la laine pour mes projets là, je puisse faire ça, commander ça. Après ça peut aussi être des mitaines. Des mitaines, ça peut être pas mal. Je sais que ma belle-mère, je pense que ça lui plairait pas mal, les mitaines. Faut juste que je réfléchisse à un modèle, mais celui que j'ai fait pour ma fille là, en fin d'année, il est top quand même. Et il permet peut-être un peu de fantaisie, des choses comme ça pourrait être bien. Donc je vais réfléchir à la question. Ça peut aussi être fait en laine autoroyante, parce que j'ai pas mal des. Enfin, j'ai quelques autoroyantes en stock, mais pour des mitaines, peut-être moins, pour les couleurs et tout, faut que je vois. Donc, mitaines, ça peut-être être bien pour les femmes, je ne sais pas. En fait, j'ai pas mal d'idées hein, de ce que. Je sais que n'importe quoi, que ce soit une paire de chaussettes toute simple, autoroyante ou pas d'ailleurs. Des mitaines ou des chaussettes en mohair, je sais que ça plairait pour ma belle-mère, ma belle-sœur et ma mère. Je sais que je pense qu'elles apprécieraient. Après, les garçons, c'est un peu plus compliqué. Mon père, je sais qu'il aime les chaussettes tricotées parce que je lui en ai déjà fait aussi et il en avait, je me souviens, moi, il en avait à une époque où j'étais plus jeune, en grosse laine parce qu'il travaillait dehors, donc il avait besoin de chaussettes qui tenaient très chaud, donc ça lui faisait, il aimait beaucoup les mettre. Donc je pense, j'aimerais bien repartir sur quelque chose comme ça, même si c'est pas en grosse laine, mais peut-être pourquoi pas, en déca ça peut le faire. Mais j'ai pas la laine en stock, donc on va se calmer tout de suite. Ah si j'ai une laine peut-être un peu épaisse, peut-être pas mal, je ferai que je vois. Donc j'ai. Voilà, ça serait vraiment un petit défi supplémentaire à ajouter dans l'année. Pour pouvoir en fait ranger ça quand le projet est fait, mettre de côté, tout ça bien comme il faut.
et qu'en fin d'année, je puisse offrir ces jolis projets. Je pense que ça peut être une super idée. Ça peut permettre aussi d'éviter un peu la frustration parce qu'à Noël, je cherche toujours des idées cadeaux, puis on tombe toujours un peu sur les mêmes choses, un peu classiques et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment offert. Une année, j'ai offert à ma mère un col et à ma belle-mère un châle. Waouh, d'un coup, je suis dans un halo de lumière, c'est magnifique. Désolée pour les reflets. Ouais, une année, je leur avais offert ça, je sais que ça leur avait plu. Et puis, ça, ce petit côté aussi, bah, c'est fait main, quoi. Donc, voilà, moi, je sais qu'elles apprécieront. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elles apprécieront. Maintenant, voilà, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et je me dis que de l'étaler sur l'année, tant que je suis encore dans le mood de me dire, ah, Noël, t'as pas offert cadeau fait main, gnagnagna, parce que ça va me durer le mois de janvier. Puis après, voilà. Sauf que là, si je me dis toute l'année, non, mais ça c'est bien, tu peux le tricoter, puis tu vas le garder précieusement. L'année dernière, j'avais fait des bonnets en jacquard pour toute la petite famille de mon frère. Ils avaient apprécié, c'était génial, quoi, de me faire un petit cadeau. Donc je me dis que, ouais, quand même, j'aimerais bien partir là-dessus. Et le dernier défi, le plus fun de tous, donc on va y passer plus de temps, ça, parce que c'est bien mignon, hein, tous ces tricots, mais pas bien bien fun. Alors bien sûr, ça n'empêchera pas de prendre du plaisir à tricoter. Les deux seules choses pour lesquelles je risque de prendre un peu moins de plaisir, ça peut être le pull noir et le pull pour chérie. Parce que comme en fait, entre guillemets, quelque part, c'est des obligations, enfin je ne sais pas comment vous dire ça. Je sais que ça va être apprécié, je sais que ça sera porté, je sais que moi, le pull noir, il sera porté tout le temps, on est d'accord. Mais du coup, il y a ce côté un peu moins fun, vous voyez, de la spontanéité du projet, de la couleur à laquelle on s'éclate, voilà. Donc là, je me suis dit, ça serait quand même bien que tout au long de l'année, tu puisses te faire un petit défi qui te mette en joie, quoi, un petit truc qui te motive. Et donc, alors, il y a eu ça, il y a eu Steph, ma copine Steph, Anceline sur Instagram, je mettrai son pseudo juste à côté. Elle organise le swap des geeks créatifs. Alors malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera trop tard pour s'inscrire, à moins de vous mettre à genoux et de la supplier. Je crois que ça sera un peu tard. Mais du coup, elle organise le swap des geeks créatifs. Et donc, on en parlait, moi j'y participe pas, hein, pour des raisons qui me sont tout à fait personnelles. On parlait des thèmes et tout ça. Et par contre, je trouve ça génial en fait. L'idée de tricoter, enfin pas de tricoter, mais de préparer un petit colis et de travailler dans un thème, en fait. Et puis, le monde geek pop culture, vous savez que je suis extrêmement fan. Moi, il suffit que Le Bruit des Aiguilles, elle sorte une collection de Gilmore Girls pour ce que j'ai envie de toutes les acheter. Arco Iris, est-ce que j'en parle? C'est même pas la peine. Donc, voilà, j'aime bien, en fait, ces petites références à la pop culture et à l'univers un peu geek. Nous, on est très, très séries à la maison, films, sagas. Alors, moi, je lis aussi beaucoup. Donc, il y a plein de choses qui me parlent. Et donc, j'avais envie. Donc, bon, il y a ça. Le swap des geeks créatifs, ça m'a parlé un petit peu pour tous ces thèmes et tout. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'ouvertures de boîtes de bas. Là, cette fin d'année. Donc, la boîte de bas, si vous ne connaissez pas, le principe c'est de tricoter des chaussettes tout au long de l'année, de les ranger précieusement dans une petite boîte et à la fin de l'année de s'auto-offrir un cadeau, une boîte dans laquelle on retrouve toutes les chaussettes qu'on a tricotées tout au long de l'année, toutes belles, toutes neuves, toutes bien rangées dans la petite boîte pour pouvoir les utiliser sur l'année suivante. Moi j'ai jamais fait ça. Quand je tricote une paire de chaussettes, je la porte illico. Sachant que là, du coup, mes chaussettes en laine, je vais encore les porter pendant 2 mois, 2, 3 mois. Peut-être, voilà, à voir l'évolution du temps, bien sûr, mais 2, 3 mois, puis après, je les remettrai en fin d'année. Donc, j'en ai assez pour le moment pour tourner. Donc, vous me voyez venir, j'avais envie de me mettre à la boîte de bas. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment chouette. Donc, comment mixer ça avec cette histoire de geek, etc. Donc, mon idée, c'est en fait de me faire une boîte de bas, une boîte de chaussettes, parce que boîte de bas, ça vient du canadien, enfin du Canada, je pense les Canadiennes qui se font des boîtes de bas, et donc qui appellent ça boîte de bas, puisque chez elles, ce sont des bas. Nous, bon, c'est plus des chaussettes. Et donc, l'idée, c'est. L'idée, ça serait en fait de partir sur 6 paires de chaussettes. 6 thèmes geek, geek pop culture.
Alors voilà, bon, j'aimerais en fait cette année me tricoter 6 paires de chaussettes qui rentrent dans les 6 thèmes. Pourquoi? Alors parce que tricoter des chaussettes, j'aime ça. Je pense que ça peut venir s'intercaler avec le reste des autres projets. Par contre, si vous avez noté, j'ai déjà 5 projets à faire, potentiellement 5 paires de chaussettes, en tout cas équivalent. Et si, ça m'en fait quand même beaucoup dans l'année à faire. Mais je pense que pour moi, je mettrai des sockets parce que j'aime bien en fait les sockets, moi. Donc du coup voilà, passons. Donc c'était l'idée, c'est 6 paires de chaussettes pour 6 thèmes différents que je rangerai dans une boîte et que j'ouvrirai avec plaisir en fin d'année. Vous voyez? Donc là on est le 8 janvier, j'ai absolument pas commencé. Mais donc si, alors déjà il y a plusieurs choses. Si jamais des 6 ça vous tente, vous avez dit ah ouais tiens ça peut être sympa et tout, contactez-moi, on pourra peut-être faire quelque chose. Je pense que Steph, justement, elle a un groupe Discord, un serveur Discord, donc on peut peut-être arriver à faire quelque chose tous ensemble, ça peut être sympa. Oh, je veux pas te squatter, hein, Steph, donc si jamais tu veux pas, il n'y a pas de problème, je peux organiser autrement. Mais sinon, après, voilà, je me dis, ça peut être chouette aussi d'avoir pu échanger les thèmes et tout ça. Donc moi, mes thèmes, je ne sais pas pourquoi je regarde mon carnet, parce qu'en fait, je n'ai pas pris de notes là-dessus. Donc mes thèmes, ça serait... En premier lieu, Friends, la série Friends, bien sûr, parce que je suis très très fan, parce que ben, on a perdu Chandler il n'y a pas longtemps, que moi, oui, j'ai versé ma petite larme, je le reconnais, parce que ben, voilà, c'est tout un pan de notre, enfin, en tout cas moi, de ma vie, parce que j'ai grandi un peu avec et tout, donc voilà. Bref, donc la série Friends, la série Gilmore Girls, Harry Potter. On ne peut pas passer à côté d'Harry Potter, ça n'est pas possible. Donc, Friends, Gilmore Girls, Harry Potter, Downton Abbey, parce que j'aime beaucoup Downton Abbey. J'avais dit une autre. Ah oui, How I Met Your Mother, parce que je suis très très fan aussi de la série How I Met Your Mother. D'ailleurs, ma fille en ce moment même n'est pas à l'école, est en train de regarder des épisodes dans la pièce d'à côté. Voilà, on aime beaucoup, on adore, et je pense que ça peut être elle cool. Et par contre, il me manque le dernier thème, donc je pense à Big Bang Theory ou à Brooklyn Nine-Nine. Mon cœur balance. Et alors, l'idée c'est quoi? Parce qu'une paire de chaussettes dans ce thème-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par exemple, je vous montre, donc, pour Gilmore Girls. Alors, je vais vous mettre les thèmes. Je vais essayer d'y penser. Je vais essayer de vous mettre les différents thèmes pour qu'on puisse se voir. Donc, bon, sachant que je n'ai pas encore tout à fait mis les choses dans l'ordre. Mais ça va venir. Ça va venir. Donc, du coup, par exemple, moi, j'ai en fait cette laine. Donc, de la laine à chaussettes auto-rayante de la marque du bruit des aiguilles qui s'appelle le coloris, c'est Luxe Diner. Donc, ça fait partie de sa collection Gilmore Girls. J'avais déjà tricoté les Rory. La laine Rory, et là c'est Luxe Diner, je l'avais acheté pour moi celle-là. J'adore les couleurs qui font vraiment vraiment Luc pour le coup, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, voilà, par exemple, cette paire de chaussettes, bon ben Gilmore Girls. Voilà. Alors pour moi, le petit plaisir de tricoter enfin cette laine que j'avais eue au Noël 2022, pour moi. Et puis d'avoir ma petite paire de chaussettes Gilmore Girls, ça me fera toujours plaisir quand je les mettrai aux pieds, etc. Ensuite, je me suis offert ce livre. Ce livre sur lequel je lorgnais depuis mais vachement longtemps en fait. Et je l'avais vu passer plusieurs fois. Je sais que j'aime beaucoup la couleur, la couverture du mot de... Oh, je vais arriver à parler ou pas? J'aime beaucoup la couverture du livre en anglais, mais moi, je l'ai acheté en français parce qu'en fait, alors au départ, je me dis, tu vas le commander, tout ça. Et puis, en fait, je savais qu'il était sorti en français. Sauf que j'avais pas fait attention que la couverture était différente. Et un jour, là, avec les enfants, la semaine, on était en vacances, donc la semaine après le Nouvel An, moi j'étais en vacances avec mes enfants, on était que tous les trois. Et il a fallu qu'on aille faire que deux, trois courses. Voilà. Donc j'ai dit, on va sortir, on va faire les courses. Et donc, on est passé à côté d'une librairie. Bon, j'ai pas choisi la petite librairie où il y a trois livres hein, dans le du coin. J'ai choisi un centre culturel. Voilà. Bref, donc j'y vais. Et je me suis dit, si le livre est en stock, c'est un signe, parce que ça fait vraiment longtemps que je le voulais, et s'il est en stock, c'est qu'il faut que tu le prennes. Sauf qu'en fait, je ne le voyais pas en début. Et je suis tombée sur le livre, alors en anglais, c'est 52 Weeks of Socks,
52 semaines de chaussettes. Et du coup, je m'étais dit, ouais, il est pas mal aussi. Je le vois, quoi. Quand je sors, alors 52 ou 52 chaussettes à tricoter dans l'année, je ne sais plus, quelque chose comme ça, je ne sais plus, avec différents patrons. Mais alors, moi, je n'ai pas pris celui-là parce que déjà, il me tente moins. Mais surtout, là, les patrons, pour le coup, je ne pense pas que je les ferai moins parce qu'il y a voilà, beaucoup de points texturés, torsades, de dentelle, et ce n'est pas trop mon kiff sur les chaussettes. Par contre, je me suis découvert une passion pour les chaussettes en jacquard. J'en ai tricoté deux paires cette fin d'année. Oh, ça me passionne. Et donc, du coup, d'où ce livre. Donc, je la refais, je vois le Swift Weeks of Socks, je le sors et tout, je regarde, j'ai un autre. Puis au moment de reposer, mais en fait, c'est celui-là le livre, c'est juste, c'est pas la même couverture. Donc, j'étais trop contente, trop, trop, trop contente. Et donc, du coup, pour en revenir à mon défi, parce que je m'évade, mais mon défi, alors il y a celui-là, parce qu'évidemment, je n'ai pas marqué les pages, sinon vous comprendrez bien que ça va être, ça serait pas fun. Donc, il y a ça et ça. Mais attendez, il y a autre chose. Voilà. Il y a. J'essaie de garder les autres pages en même temps, mais je ne sais plus. Il y a ces chaussettes. Oui. On voit des petites tasses à café en fait qui sont dessinées. Donc des petites tasses à café, Friends, Central Perk, tout ça, ça vous parle. Voilà. Ça aurait pu faire Gilmore Girls aussi, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je sais que vous l'avez pensé très fort derrière votre écran, je le sais. Mais bon, comme j'ai la laine pour Gilmore Girls, je vais le passer dans Friends. Et je pense que notamment pour le jacquard, je pourrais utiliser des minis de mon calendrier de l'Avent. Alors là, peut-être que ce marron est peut-être pas assez foncé d'ailleurs pour faire le café, mais celui-là sera peut-être un peu mieux. Ouais. Alors c'est vrai que vous là, il y a tellement de luminosité que vous voyez ça hyper saturé, mais je pense quelque chose dans ce principe-là. Vous voyez, on va faire peut-être même un autre beige là, je ne sais pas. Ouh là là, je suis en train de tout mettre en frac. Bref. Donc l'idée, ça serait de partir là-dessus. Pour le thème de Friends, donc Gilmore Girls Friends, alors Friends en premier, ensuite Gilmore Girls, ensuite Downton Abbey. Downton Abbey, je pense partir sur des choses à fleurs. Donc Downton Abbey, des choses à fleurs. Et il y a notamment ce patron, d'ailleurs qui est la couverture, je crois, des Charming Colorwork Socks, je crois en anglais. Donc ce patron avec des tulipes ou ce patron avec des roses. Lady Rose, vous voyez, ça collerait pas mal peut-être ce patron avec des roses. Surtout que celui-là, je vais peut-être arriver à en faire quelque chose comme des sockets. Je ne sais pas, je vais voir. Donc j'ai des parties là-dessus. Harry Potter, j'ai de la laine qui m'a été offerte par une très gentille abonnée. Merci encore si tu passes par là. Qui est Gryffindor's Words, donc l'épée de Gryffondor. Parfait pour Harry Potter. C'est de la laine odorante en plus. Alors après, il faut que je pèse combien j'en ai, mais en fonction, je ferai des soquettes là pour le coup, c'est possible. Et ensuite, il me manquerait, donc on a dit, alors, vous aurez peut-être le truc écrit là, ça y est, moi j'ai déjà oublié. Donc, Friends en premier, Gilmore Girls, Harry Potter, Downton Abbey. Et donc, oui, le dernier, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'hésite pour mon dernier thème, donc ce sera au moins certainement le dernier que je ferai, et je verrai en fonction de mes laines, peut-être éventuellement d'un jacquard. Après, par exemple, les chaussettes Pac-Man, elles pourraient être sympas, parce que ça pourrait rentrer un peu dans ce thème-là, je sais qu'il y a, voilà, le patron des chaussettes Pac-Man peut être chouette, des petites choses comme ça, je ne sais pas, je vais voir. Mais voilà, ça pourrait être chouette. Bon, si jamais ça vous tente comme défi, on pourrait peut-être se lancer tous ensemble, ça pourrait être marrant d'avoir tout le monde ses petits thèmes et tout. Après, les thèmes ne sont pas forcément imposés, mais je me dis, enfin, moi qui suis très dans cet univers, ah, mais non, il y avait How I Met Your Mother aussi. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que je dis. Friends, Gilmore Girls, Harry Potter, Downton Abbey. Et How I Met Your Mother. Alors, How I Met Your Mother, je pensais à des chaussettes en jacquard avec un motif de parapluie. Et là, gros défi, est-ce que je me lance en me disant que je le fais sans patron et je fais moi-même la grille de jacquard? Un parapluie, c'est pas non plus les plus compliqués à faire.
Je vous dis ça, mais je n'ai pas essayé. On est d'accord. Peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse là, par contre, pour celui-là, parce que sinon, je pensais, comme il y a beaucoup le jaune et le violet dans cette série, est-ce que je peux partir là-dessus? Je ne sais pas. Donc, n'ayant pas trop d'idées là, je ne sais pas trop. Donc, oui, j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire que, comme je suis très série, que j'aime beaucoup ces idées voilà, cet univers en fait, moi une figurine pop de Friends, je flash tout de suite, mug, vous voyez, j'aime cet univers, j'aime ses références, j'aime les répliques, voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses chez moi qui rappellent tout ça, et je me dis, ouvrir en fin d'année, à Noël, ça serait vraiment top du top, mais on va peut-être pas aller à Noël. Pas sûr. En tout cas, alors si il y en a que 5, il n'y en aura que 5, mais l'idée c'est vraiment si j'ouvre cette boîte, alors déjà j'ai le plaisir de me trouver une belle boîte, vous voyez, une belle boîte pour les ranger, d'ouvrir cette jolie boîte parce que moi je me connais, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir le truc, je vais retrouver les premières paires que j'ai tricotées et j'ai oh, mais elles sont trop belles, je les avais oubliées, elles sont magnifiques, voilà, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors après, il y a le truc, vous allez me dire, à chaque fois que tu en tricotes, tu vas ouvrir ta boîte et les ranger dedans. Mais je pense que je vais surtout les... Je verrai après pour les disposer et tout ça, mais sans forcément les re-regarder. Mais je suis sûre que je vais les rouvrir et je vais les redécouvrir quelque part, en fait. Et ça, j'aime trop, quoi, en fait. Donc, voilà, j'ai envie de me faire ce petit défi fun de moi à moi. Si vous avez envie, on peut se le faire à plusieurs, il n'y a aucun problème. Mais je le ferai de toute façon pour moi parce que ça me tente bien, l'idée me tente bien. Donc, bon, ben, pas mal de défis quand même cette année. Et en plus, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que là, on part vraiment sur le fun du fun du fun du fun. J'aimerais me tricoter un pull de Noël. Alors, ça fait longtemps que je le dis, parce que chaque année à Noël, on aime bien quand même mettre des choses de Noël. Moi, j'ai des boucles d'oreilles, par exemple, qui rappellent Noël. Maintenant, j'ai des chaussettes de Noël, donc je les sortirai avec grand plaisir en décembre. Mais le pull de Noël, pour une tricoteuse, je trouve que c'est quand même un comble de ne pas avoir de pull de Noël. Donc, j'aimerais vraiment m'en tricoter. Alors, est-ce que je pars sur un truc compliqué, style le festive York pullover que vous connaissez très certainement? Est-ce que je pars sur un truc plus simple, style un jacquard plus graphique, mais aux couleurs de Noël? Ou je crois qu'il y a le modèle aussi de Hänsel & Knits. Il y a un modèle de Hänsel & Knits aussi avec des petits sapins qui peut être mignon parce que assez discret. Pour un premier pull de Noël, ça peut être chouette, puisque de jouer la carte totale avec le festive York pullover, n'est-ce pas? Mais quand même, un pull de Noël, quoi. Et là, j'ai regardé dernièrement j'ai découvert. Alors, me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas découvert avant, mais je les regarde. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus. Je regarde les vidéos de Lisandre Ourdin, qui donc design pas mal de chaussettes en jacquard. Parce que, grande passion, chaussettes en jacquard, c'est ma nouvelle passion de la vie, quoi. Donc, il faut absolument que sur mon défi, je fasse plusieurs chaussettes en jacquard. Peut-être moins pour offrir par contre. Parce que la tension, tout ça, peut-être, je maîtrise pas encore complètement. Donc là, on va peut-être la jouer tranquille pour les choses à offrir. Mais pour moi, nouvelle passion, chaussettes en jacquard, car on est d'accord. Donc quand je regarde ces vidéos et les designs qu'elle a, les chaussettes de Noël, s'il vous plaît. Les chaussettes de Noël. Les chaussettes de Noël, qu'est-ce que j'ai repéré aussi qui me plaisait beaucoup? Chez elle, alors il y avait son modèle Fais-moi peur bien sûr pour Halloween, mais alors là, vu mon défi, on va peut-être pas s'y mettre cette année, hein. Mais voilà, vraiment, voilà, j'ai 12 000 idées par rapport en fait à l'année dernière où j'étais complètement dans un autre mood parce que je préparais mon déménagement. Donc je savais que enfin voilà, la période était compliquée, pas trop de tricot, beaucoup de carton, pas trop de tricot, beaucoup de travaux, pas trop de tricot, beaucoup de rangement, pas trop de tricot. Et quand on a eu emménagé, beaucoup de ménage, donc pas trop de tricot, beaucoup de ranger les cartons et tout. Et ouais, j'étais pas du tout dans la même optique en fait. Alors j'ai pris, c'est là que du coup je me suis dit qu'il fallait que je me refasse des objectifs parce que
Je me suis rendu compte cette année, je n'avais pas d'objectif parce que du coup l'année dernière, voilà, ce mood, un peu tout coup de mou en début d'année là. Donc je m'étais dit, tu vas prendre tes projets un à la fois, un casier à la fois. Donc c'est un gros projet, un projet chaussette en même temps éventuellement, mais un gros projet avec un petit projet à côté. Donc ça c'est, je vais le garder je pense, parce que j'aime bien ne pas avoir 14 000 projets en même temps. Quand même, je préfère parce que ils avancent et tout ça, mais je me suis rendu compte que sans avoir d'objectif finalement, mais j'étais un peu désœuvrée par moments. C'est-à-dire que, bon, en début d'année, j'ai eu cette obsession du gilet doudou et des color palette socks, donc je suis partie à fond. Il fallait que je fasse la paire de chaussettes pour mon fils, Stranger Things, donc je lui ai fait la paire de chaussettes pour ma fille après. Mais ouais, par moments, j'étais un peu désœuvrée en fait. Je me disais, ouais, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'achète de la laine? Vraiment, alors que là, si je me dis, bon, ben là, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, ça va me booster, en fait, quelque part. Et je sais que quand je vais avoir une période où je vais être là, oh, qu'est-ce que je tricote là? Ah, mais oui, j'ai mes défis, j'ai mes trucs, j'ai mes machins, donc ça serait bien, là, t'as un trou, tu fais ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien cette idée-là, de partir là-dessus et de faire, de pouvoir suivre ses objectifs. Alors, même si je les remplis pas, ben, c'est pas grave. Pas de pression, mais par contre ça me permet de garder un cap si vous voulez sur l'année et de me dire quand je suis un peu dans des moments où je suis un peu en désœuvrement entre deux projets et tout, ah non ben j'ai ma liste, je sais, j'ai des idées de ce que j'ai envie, et puis si c'est pas ce que j'ai envie à ce moment-là, c'est pas grave, je le fais pas, mais en tout cas ça peut me donner des pistes quoi. Et donc là par exemple pour démarrer l'année, je suis en train de tricoter le pull Bofell de longue avec Anna, juste là. Et le châle Iris de Odilnitz. Donc c'est bien, ça me fait deux projets. Bon, j'ai tout stoppé parce que j'avais un cadeau de naissance en urgence à faire. Donc j'arrive au bout là. Donc j'ai hâte de reprendre mes projets à moi pour pouvoir surtout monter ma première paire de chaussettes qui sera certainement la chaussette de Friends. Alors que là, je finis mon cadeau de naissance. Mais enfin, j'espère quand même que là, on est lundi. J'aimerais que mercredi soit bouclé. Jeudi peut-être. Ouais, jeudi parce que je reprends le boulot quand même. Jeudi soit bouclé et donc ensuite monter ma paire de chaussettes le week-end prochain peut-être ou le mercredi qui va suivre en fonction de comment je vais lancer mes autres projets. Parce que mon pull Bofell, quand je l'ai tricoté, là, la Ulysse, alors ça me tracasse aussi pour le pull de chéri, ça m'a vachement fait mal à l'épaule. J'ai eu vachement mal à l'épaule pendant les fêtes. Donc, je me suis beaucoup calmée. Bon, il faut dire que j'ai tricoté la chaussette de Noël aussi, qui m'a. Ouais, je me suis arrachée pour la finir. Bon, donc du coup, j'ai un peu ralenti le rythme là et j'ai été chez l'ostéo. J'espère que ça va aller mieux. Aujourd'hui, ça va par exemple. Hein, aujourd'hui, c'est nickel. C'est le premier jour, parce que j'étais chez l'ostéo, ça fait un petit moment, mais elle m'avait dit que je jouais plusieurs jours de courbatures, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment le premier jour où j'ai rien. Je me sens bien, je peux bouger le cou, bouger l'épaule, je peux lever le bras, ça va à peu près. Alors, on va voir. On va voir. Bon, bref, donc je tergiverse beaucoup pour vous raconter pas grand-chose, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, en conclusion, j'ai plein d'objectifs, je ne sais pas si je vais les remplir, mais on va essayer, vous allez essayer de suivre ces aventures toute l'année avec moi sur mon feed Instagram et sur cette chaîne. En tout cas, je vais essayer. Je suis contente d'avoir repris un nouveau mood de tricot. J'ai vraiment envie de me faire ma garde-robe, ma jolie garde-robe au tricot et de garder ben, des idées un peu plus fun, comme là pour les chaussettes. Je trouve ça génial en fait de tricoter des chaussettes parce qu'on peut se faire plaisir et faire vraiment des choses un peu plus fun. Parce qu'on est d'accord que peut-être un pull en jacquard tasse à café, peut-être que je le porterai quand même plus difficilement, même si bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir quand même de. Je suis une tricoteuse, donc j'aime avoir que mes vêtements soient de qualité. Si c'est moi qui les ai faits, c'est encore mieux. Et donc du coup, voilà, le traditionnel pull noir, le traditionnel gilet noir et le traditionnel top noir, c'est quand même des choses dont j'ai besoin. Donc je vais les étaler hein, au fur et à mesure du temps. Déjà, je vous dis, si je fais le pull noir cette année, ça sera déjà énorme. Mais voilà, l'idée, peut-être qu'après, si j'ai des restes, je peux faire un top, par exemple. Voilà, ça pourrait être pas mal. Et puis, mêlé à des petits objectifs un peu plus rigolos, ça va être sympa. Voilà, donc bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée.
J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je suis partie dans tous les sens. Mais bon, je suis comme ça. Si jamais vous débarquez, malheureusement, c'est souvent comme ça ici. Je suis désolée. Et puis, n'hésitez pas donc à me contacter si jamais ça vous intéresse de partir sur des défis un peu fous avec moi. Et puis, on se retrouve bientôt pour une vidéo, très certainement plutôt de type podcast ou vlog, pour voir un petit peu l'avancée de tous ces projets. À bientôt!